Après, les conditions de visite sont assez exceptionnelles en ce moment, puisque évidemment, nous n'avons pas beaucoup de monde et je ne pense pas que nous aurons de toute façon un été, je dirais, à la hauteur des étés précédents, évidemment. Et puis, effectivement, n'oublions pas quand même que Paris est une des villes les plus vertes qui existent aujourd'hui, avec quand même pléthore d'activités en plein air, pléthore, effectivement, de choses qu'on peut faire en outdoor avec des enfants, en famille. Si on regarde la réception, voilà du plastique qui fait que on n'est pas en contact direct le client, le réceptionnaire. Il y a des zones fléchées pour indiquer la direction, il y a des zones rouges qui sont des zones interdites aux clients. C'est-à-dire que si je suis là, il n'y a pas de client qui peut se mettre ici en attente, il faut se mettre de distanciation. On a assisté ces derniers jours à une rivalité dans l'ouverture des frontières, l'ouverture des divers sites de... Et on est à l'aube, à quelques jours des vacances. Donc si maintenant il n'y a pas une précipitation, peut-être avec quelques risques extrêmement calculés par le gouvernement, alors Paris, première ville touristique mondiale, aurait été complètement, entre guillemets, assassinée s'il n'y avait pas eu des mesures encore annoncées hier, en particulier cette ouverture des restaurants de façon pleine et entière dans la région parisienne, car sans restaurant, il n'y a pas non plus de convivialité, il n'y a pas de convivialité, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas de clients dans les hôtels. Allez-y, faites comme si c'est... Je parle pas, là. Non. Il devrait y avoir une précipitation. La concurrence touristique est effrénée. L'Europe cherche à capter la clientèle européenne. Les Italiens veulent prendre les Français, les Allemands veulent prendre les Danois, peu importe. Okay ? Avec quoi on attire le client en période touristique ? Je ne parle pas du monde des affaires. Avec des attractions, les musées, les bateaux-mouches. Donc le message que je passerai, c'est pressez-vous à ouvrir, à mettre en activité tous ces lieux de réjouissance du tourisme.